Putain, mais accroche-les. What? Je crois que j'ai trouvé un glitch. Je crois que j'ai fait un OOP sur Fear Effect. Ouais, il a bourragé, il est cool, hein. Ouais, je crois que j'ai fait un putain de OOP sur Fear Effect, je sais pas où je suis. Je vais essayer de revenir dans l'écran, là. Ah, je suis là! Excellent, bon, bah, je vais essayer d'arriver à la fin du jeu comme ça, ma foi. Ouais! Je sais pas où je suis du tout, quoi. Ah, je vais être plutôt par là, hein. Ma foi, je les suis. J'essaye de voir à leur gueule où c'est que je suis. Ah, là, je suis en train de revenir. Youhou! Est-ce que, tiens, du coup, il n'y a pas moyen de les atteindre depuis derrière l'écran? Ouais, j'ai fait une découverte sur un jeu vidéo. Ah, par contre, honnêtement, je peux pas les atteindre, quoi. Voilà, je suis revenu dans le jeu. Non, je pouvais pas les tuer en fait depuis. En fait, j'étais pas sur le même plan qu'eux, je devais être dans une autre dimension, je sais pas quoi, mais. Bon, bah voilà, je suis mort. Je pouvais aller nulle part en fait, parce que j'avais beau changer de. Là où normalement j'aurais changé d'angle de caméra, ça faisait rien du tout. Alors, à moins que. Je sais pas, j'aurais peut-être dû regarder, tiens, l'hôtel, ce qu'il y avait. On va voir s'il y avait pas moyen de. D'actionner, je sais pas quoi, mettre l'épée, c'est peut-être l'épée qu'il fallait mettre, ou, je sais pas quoi. Ouais, putain. Ouais, un OB qui sert à rien, mais j'ai trouvé un OB sur un jeu, je suis content, quoi. Ah putain, c'est vrai qu'il faut que je me retape ça, quoi. Go and Fear Effect, ouais non. Je vais le retenter, hein. Je vais le retenter, y a pas de raison. Ouais, peut-être déjà que j'aille là en premier. Puis lui. Impossible. Je vais retenter en fait. Tiens, je vais essayer de me mettre dans un coin là, voir si ça fait quelque chose. Sandale! C'est pas de la vie en fait, c'est une jauge de peur. Ah, je suis pas manchot, je fais des OB, Sandal. T'as raté un grand moment, je crois. Un grand moment. C'est vite dit, mais.
Je ferai quand même un highlight si je retrouve le moment, je le highlighterai, quoi. De ma foi. Je sais pas si quelqu'un a déjà fait ce genre de truc sur Fear Effect, j'ai jamais regardé. Vu que ce jeu est pas run. Salut, Glace. Deck. Mon Dieu. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Ce que tu vois devant toi s'est produit chaque fois que j'ai appuyé sur la détente. Quand tu apercevras qui tu es vraiment, tu comprendras. Oh merde, je suis désolé, Deck. Désolé. Sais-tu seulement ce qu'ils font aux tueurs comme nous ici, hein? Et tu me demandes pardon? C'est ta faute si je suis là. C'est Je quoi le te lien? faisais confiance sur ce coup. Alors profite de tes derniers instants, car ton éternité est sur le point de commencer, et ta souffrance aussi. Et les chiens se bossent en plus. J'ai que le flingue. Merde. Je vais peut-être aller chercher en fait quand même la mitraillette. Je battrai peut-être plus vite, hein, parce que là avec le flingue, donc je connais pas du tout. Là, je suis allé vraiment YOLO pour les patterns des trucs, mais... des dodges, je veux dire. Donc, je vais essayer quand même de choper là. La mitraillette, buter les autres, essayer de pas refaire un OV. Par là. Ah d'accord, là c'est l'autre dragon. Okay.
ça c'est le dragon en fait qui me manquait, donc le dragon de la montagne. On va voir si je refais ça. Ok, ouais, ça marche en fait, c'est vraiment tout con. Sauf que ça me mène nulle part. Là, je suis bloqué par un mur, a priori. Hey, Trololo! How are you? Okay. Bon, j'ai trouvé un nouveau B qui sert à rien. Alors, si je peux me barrer par là. Pas faire grand chose, ici ça marche bien. Bon, tiens, là il veut plus. Ah, voilà. C'est vraiment tout con, en plus ça marche vraiment. Alors ce qui se passe, c'est que j'essaye d'ouvrir la porte depuis l'autre côté. J'arrive plus. Voilà. Ah si, j'ai le trigger là. Ok, je me retrouve ici. Logique. Donc genre, en fait, il considère que je suis dans la pièce. Et la pièce, a priori, est coupée du reste du jeu. En fait, t'es fermé quoi. Tant que t'es pas sorti de la pièce, tu peux rien faire d'autre. C'est-à-dire que tu peux sortir en OB de la pièce, mais t'as accès à rien d'autre, à aucun autre trigger, quoi, a priori. Là, j'étais bien bloqué contre ce mur-là, a priori. Alors, putain, est-ce que je peux accéder au trigger ici, de cette porte-là? Je vais faire une sauvegarde. Tant qu'à faire quelque chose, hein, autant. Voilà. Je vais faire une sauvegarde. Ouais, bien sûr, je vais faire une sauvegarde là-bas. Ah, cool, le chat est revenu, là, je peux enfin voir qui c'est qui est là. Bah non, le chat déconne. Ce qui va être tendu après, c'est de trouver par exemple la porte du boss à l'aveugle. Si j'arrive à repasser cette porte-là. C'est vraiment tout con à faire en plus, hein. Donc là on est d'accord, je suis contre un mur invisible, ça doit être le mur de la grotte. Donc si la caméra se déplace légèrement.
Que dalle. Pas du tout, je suis en fait là. La caméra bouge pas. Alors tout à l'heure, j'avais les ennemis pour me dire où c'est que j'étais à peu près. Là, je sais pas du tout où je suis. Là, logiquement, je reviens. Je sais pas si Eleven il est par là, s'il pourrait m'en dire à peu près ce qu'il en pense, le microcodage de ce truc. Sandal, ferme ta gueule. Je sais ce que tu veux dire. Dans le cul de Twispy, oui, je sais. Bon, du coup, là, je suis perdu, j'arrive pas à revenir. Parce qu'en fait, en essayant d'aller contre le mur de gauche, j'essaie de trouver le trigger de l'autre porte. Et du coup, je me suis un petit peu tourné là. Je sais pas où je suis parti. Putain, moi j'attends pour du taf là. Pour un CDD. Mais... J'espère que ça va être bon. 1800 boules par mois. Ok, je suis perdu. Merci.